Alléluia, alléluia, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à l'heure de notre programme de 70 jours de jeûne et prière du ministère de la montagne de feu et de miracles 2021. La bataille de la prière 2. Amen. Tendre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ton amour, pour ta bonté, ta fidélité dans nos vies, Seigneur. Tu nous as fait grâce d'être comptés parmi les vivants, ô Dieu très saint. Papa, tu nous as fait grâce d'être en bonne santé, ô Père. Tu nous as fait grâce d'avoir la force, la capacité de faire tout ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Merci Seigneur, toi qui nous as épargné du danger, tu nous as protégé, toi notre protecteur. Sois célébré, sois magnifié dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour le pain de ces jours. Merci Seigneur pour l'eau de ces jours. Ta parole est dans nos vies, merci Seigneur. Sois célébré, sois magnifié pour toutes les bienfaiteurs que tu avais mis sur nos chemins. Sois exalté dans le nom de Jésus-Christ. Oui, éternel Dieu, nous venons, je viens implorer ta miséricorde, car nous ne sommes pas faits devant toi, Seigneur. La parole nous dit que tous sont péchés et sont privés de ta gloire. Père, dans le nom puissant de Jésus, pardonne-nous, Seigneur, afin qu'on ne soit pas privés de ta gloire, ô Dieu. Lave-nous par le sang de ton Fils, Jésus-Christ Nazareth. Oui, Père, laisse que la puissance du sang de Jésus ôte les péchés en nous. La puissance du sang de Jésus nous purifie, ô Père. Et la puissance du sang de Jésus nous rachète des puissances du péché dans le nom de Jésus. Oui, la parole me dit, Seigneur, que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Laisse que ce sang parle à notre faveur, que le sang de Jésus est ouf, la voix de l'accusateur, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui prend le contrôle de nos corps, de nos âmes. Oui, Saint-Esprit, maîtrisez-nous. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de toi, réveille-nous de toi, Saint-Esprit de Dieu. Entoure l'atmosphère, l'endroit où nous sommes. Sature l'atmosphère, remplis ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Afin que toutes tes présences qui n'est pas de toi, qui n'est pas de Dieu, fassent prendre fuite dans le nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, change nos maisons en feu, plus fort que la fournaise ardente, afin que ça devienne des zone interdite aux démons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le psaume 156 nous dit ceci, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Papa, nous voulons te louer, Seigneur, puisque nous sommes des vivants. Gloire à toi, Père. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein. J'entre par le sang de l'agneau.
Alléluia, Alléluia, Seigneur, je t'adore. Toi le véritable Dieu, ô Père, c'est par le sang de Jésus-Christ que j'entre dans le lieu très saint pour te célébrer, pour te magnifier, pour m'associer avec les 24 veillards qui te dorment nuit et jour. Sois honoré, sois béni, toi le Dieu immortel. Toi le Dieu de toute suffisance et de toutes tes capacités éternelles. Qui est comme toi parmi le Dieu des signes et des prodiges. Celui qui veille sur nos vies, ô Père, celui qui pourvoit. Gloire à toi, Jéhovah, le très haut, le très saint. Gloire à toi, Jéhovah, l'ancien des jours. Alléluia. Sois béni, sois exalté. Le miséricordieux, c'est lui qui est là, la colère riche en bonté. Alléluia. Ton nom est saint. Le saint de saint. Le saint de saint. Le saint de saint. Rekobayo sante kochinama. Rabayo senkabayo shikabayo sente ke. Rimoyo sente boyo shikabayo sante kai. Qui reconnaissant ton bayocher, qui est comme toi parmi les dieux. Le Dieu d'amour, celui qui a sacrifié son Christ et Jésus mourir pour nous. Jéhovah, le Dieu unique et véritable, celui qui a frayé un chemin dans le désert, celui qui changea la mer en terre somme. Ah, le Dieu des signes et des prodiges. Qui est comme toi, celui qui a fait qu'une vieille puisse donner naissance. Papa, je t'adore, nous t'adorons, nous t'honorons, nous te célébrons, oh notre Père. Tu es notre Dieu, et nous sommes les troupeaux de ton pâturage, oh notre Père. Les troupeaux que ta main conduit, Seigneur, sois béni. Sois exalté, sois célébré. Oh, le miséricorde de toi qui enferme ton fils Jésus, mourir pour nous les pécheurs. Alléluia. Bienvenue à la cause du sacrifice, oh Dieu. Papa, merci. Merci pour le sang de Jésus, Jésus-Christ. Toi qui s'es sacrifié par ton sang, nous pouvons rentrer dans les lieux très saints. Oh Jésus, par toi, nous pouvons nous asseoir dans les lieux élevés. Merci, notre Galilée, toi qui as pris nos souffrances pour nous donner ta vie. Jésus-Christ Nazareth, sois célébré, le chemin, la vie et la vérité. La puissance est venue du ciel, la main puissante de Dieu, la droite puissante qui nous soutient dans les combats, qui est comme toi les cavaliers d'Apocalypse. L'impossible et l'inévitable. Oh, la lion des dieux qui ont été le péché. Le lion indomptable de la tribu de Juda. Tu es unique à ton genre, l'homme de Galilée. L'homme des souffrances. Sois béni, les narcisses des savants. Les plus beaux. L'hélice de la vallée. Les parfums de bonne odeur. Ce parfum qui parfume nos vies. Ce parfum qui parfume nos santé. Gloire à toi, Jésus, Emmanuel, Dieu parmi nous. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Hosanna dans les lieux très élevés. Hosanna, toi le magnifique. Hosanna, toi l'admirable. Hosanna, toi le conseiller. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Merci, Seigneur. Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18 nous dit ceci: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Nous voulons louer notre Dieu selon qu'il est écrit dans le manuel. Seigneur, au nom de Jésus, je te remercie pour m'avoir attiré à la prière et à la puissance. Oui, nul n'est venu auprès de toi sans que tu l'attires. Merci Seigneur pour ces moments glorieux, pour ces moments puissants. Merci pour le salut de mon âme, Seigneur. Tu m'as racheté,
Tu m'as sauvé, Seigneur. Merci de m'avoir baptisé avec l'Esprit Saint, l'Esprit de feu, l'Esprit puissant, l'Esprit supérieur qui fait de nous des hommes forts. Merci d'avoir rempli ma vie des dons spirituels qui est utile pour l'utilité commune. Merci pour les fruits de l'Esprit qui me guide et les fruits du Saint-Esprit qui nous guide jour et nuit. Merci pour les dons magnifiques et des louanges, Seigneur, que nous montons les louanges auprès de toi. Tous les moyens divers par lesquels tu es intervenu dans mes affaires, Seigneur. Merci pour ta main puissante qui s'est manifestée dans ma vie. Tu as agi autrement, Seigneur, différemment dans ma vie. Merci pour ton plan divin pour ma vie, Seigneur, qui ne sont que le projet de bonheur, de paix et non de malheur. Seigneur, merci pour ta promesse de ne jamais me quitter ni m'abandonner. Raison pour laquelle tu m'as envoyé le Saint-Esprit qui est là, qui sera tout le temps avec moi. Merci de m'avoir amené à la maturité, à la vie profonde, Seigneur. Oui. Avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Oui, tu nous as dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Oui, nous prospérons. Et dans la prospérité, nous atteignons la maturité. Merci de me lever quand je tombe. Oh Jésus, tu ne m'abandonnes pas. Quand je tombe, tu es là, tu me relèves. Tu me relèves, Seigneur, dans cette marche avec toi. Merci de me garder en parfaite paix. La paix, le shalom de Dieu qui vaut que tout, qui vaut mieux que toutes choses. Merci Seigneur pour faire concourir toutes choses à mon bien. Oui, me délivrer du filet de l'oiseleur et de la peste et des séraphages. Le filet de l'oiseleur, de la peste et du Covid, de tous ces contagions qui frappent en plein midi. Seigneur, Père, tu nous délivres. Tu nous délivre de toutes ces pestes, Seigneur, nous te disons merci. La puissance extraordinaire dans la parole et dans le sang de l'agneau, la parole de Dieu qui est puissante et qui agit puissamment dans nos vies, dans le sang de Jésus-Christ qui nous protège, le sang de Jésus-Christ qui est notre bouclier, Seigneur, merci. Seigneur, merci d'avoir ordonné à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Oui, les anges que tu as disposés en notre faveur, les anges qui sont là pour défendre, pour agir, pour intervenir en notre faveur, nous te disons merci. Merci d'avoir combattu mes adversaires. Tu as fait de mes adversaires mes marchepieds. Merci Seigneur, merci d'avoir fait de moi plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur avec toi. Je suis plus que vainqueur avec Jésus. Avoir pourvu à tous mes besoins selon tes richesses en gloire. Merci Jésus-Christ, Seigneur. Oh Père, tu pourvois mes besoins quotidiens. Tu pourvois, Seigneur, à nos besoins, Seigneur. Merci pour ta, pour la puissance de guérir mon corps, mon âme et mon esprit. Tu guéris mon âme de tout mal. Tu guéris mon âme, tu guéris mon corps, tu guéris mon esprit d'avoir inondé mon cœur de la lumière du ciel. Tu illumines nos vies, Père. Merci de me faire triompher toujours en Jésus-Christ. Et oui, avec Jésus, nous triomphons. Nous triomphons, Seigneur, quel que soit le combat, quel que soit les embûches, quel que soit le miracle, nous sommes plus que vainqueurs avec toi, Jésus. Avoir transformé mes malédictions en bénédictions, oui. Maintenant, donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je suis en Christ. Les malédictions de ma vie, Seigneur, tu les as transformées en bénédictions. Merci pour cette promesse éternelle. Merci de me permettre de vivre en sécurité. Oui, ton ange, tes anges campent tout autour de moi et m'évitent des dangers. Merci, Seigneur. Merci pour toutes les bénédictions de la vie. Merci pour la grandeur. Merci pour la puissance. Merci pour ta gloire. Merci ta majesté. Merci ta splendeur et ta justice. Merci d'avoir réduit au silence l'ennemi et le vindicatif. Ah, ils sont réduits au silence au nom de Jésus. Merci Seigneur, tu es à ma droite. Je ne chancellerai pas. C'est une assurance. Tu es à ma droite. Tu es à ma droite, Seigneur. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là, ô Éternel. Je ne chancellerai pas. Merci d'être digne de confiance et de venir au secours de tien. Ne pas permettre à mes ennemis de se réjouir à mon sujet. Oui, Seigneur, c'est toi qui anéantis les projets des hommes rusés et leurs mains ne pourront pas les accomplir. Ton amour extraordinaire, merci. Merci pour ton amour extraordinaire. Ton amour, Seigneur,
qui nous a donné ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu nous racheter. Il est venu racheter l'humanité entière. Merci Seigneur Jésus, merci car tu es digne de louange. Merci Seigneur d'avoir délivré mon âme de la mort et mes pieds du trébuchement, Seigneur. Même si je tombe, Seigneur, tu me relèves, Seigneur. Merci Seigneur d'être ma forteresse et mon refuge dans la détresse. Oui, l'Éternel, tu es la tour forte, ma tour forte, Seigneur, où le juste se réfugie. Oui, Seigneur, nous nous réfugions à toi. Tu es notre forteresse. Merci pour ta fidélité et tes actions merveilleuses à ton action. Merci à mon égard, Seigneur. Merci pour toutes bonnes choses. Merci pour toutes choses, bonnes choses que tu accomplis à mon égard. Merci pour tes actes de puissance et ta grandeur incomparable. Merci d'avoir ôté l'aveuglement spirituel de mon esprit. Oui, les écailles sont tombées, les voiles sont tombées, Seigneur. Nous pouvons voir clairement, nous pouvons, Seigneur, distinguer le mal et le bien. Merci, Seigneur. Merci d'avoir retiré de profondeur mes gardes et d'affermir mes pas. Ton nom, Seigneur, est une tour forte. Le juste se réfugie et y en est en sécurité. Oui, tu es notre tour forte. La tour forte de nos vies, la tour forte de nos nations, la tour forte de nos familles, la tour forte, Seigneur, où nous sommes venus nous réfugier, où nous sommes venus nous réfugier, Seigneur, pendant que la peste frappe en plein midi. Tu es notre tour forte, tu es notre tour forte, Seigneur. Nous sommes venus nous réfugier, Seigneur, dans ces programmes de prière, dans ces programmes de 70 jours de jeûne et prière. Notre tour forte, nous sommes venus nous réfugier. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, majesté, majesté. Que la gloire et l'honneur te reviennent, car tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Gloire, gloire, gloire au Seigneur. Gloire au roi des rois. Alléluia. Gloire à Jésus. Exode 33:15 nous dit ceci. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Laisse que le Saint-Esprit nous équipe afin de partir dans la bataille de prière. Saint-Esprit, oins-nous, rends-nous capables de prier avec impact et puissance dans les noms. Devant l'armée, devant l'armée, tout le monde marche, marche le roi de roi. Nous sommes armés, tout le monde marche, nous sommes armés, tout le monde. Devant l'armée, tout le monde marche le roi de roi. Yeah.
Alléluia, nous sommes les vaillants soldats de roi de roi, l'armée infaillible de Dieu. Devant nous marche le roi des rois et la victoire est certaine. Amen. C'est notre deuxième jour de la cinquième section, c'est connecté au sang de Jésus-Christ. Amen. Avant de commencer la prière, la bataille de la prière, nous allons nous protéger, mettre notre armure, le sang de Jésus-Christ, et nous barricader avec le feu et de feu, avec toutes les choses qui nous est précieuses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, pousse mes ennemis à pleurer et à ne pas obtenir de l'aide à mon, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, pousse mes ennemis à pleurer et à ne pas obtenir de l'aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, mon Père, lève-toi. Pousse tous mes ennemis à pleurer, Seigneur, et qu'ils ne reçoivent aucune assistance dans leurs méfaits, dans le nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, que mes ennemis pleurent, les ennemis de ma santé pleurent, éternel, oh Dieu, et qu'ils n'ont pas assistance, éternel, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Tous mes ennemis, les ennemis de mes affaires, les jaloux de ma vie, les jaloux de mes enfants, oh Père, pousse-les à pleurer et à ne pas obtenir de l'aide, de l'assistance, dans le nom de Jésus. Papa, pousse les ennemis de mon mari, de ma femme, de mes affaires à pleurer, Seigneur. Papa, que mes ennemis, Seigneur, soient dans la tristesse profonde, dans le chagrin, et qu'ils ne puissent obtenir aucune aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, lève-toi et que ma gloire ne nourrisse pas mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, lève-toi et que ma gloire ne nourrisse pas mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, mon Père, lève-toi, Seigneur. Laisse que ma gloire ne puisse pas nourrir mes ennemis dans le nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, que la gloire de mes affaires, mon travail ne nourrisse pas mes ennemis dans le nom de Jésus. Papa, lève-toi, éternel, oh Dieu. Que la gloire de ma vie spirituelle ne nourrisse pas mes ennemis dans le nom de Jésus. Papa, lève-toi, Seigneur. Que la gloire de mes enfants, de mon mari, de ma femme ne nourrisse pas leurs ennemis dans le nom de Jésus. Papa, lève-toi, que la gloire de mes affaires ne nourrisse pas mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, lève-toi et combat pour moi jour et nuit au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, lève-toi et combat pour moi jour et nuit au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, mon Père, lève-toi. Toi qui ne dors ni ne sommeilles, combat pour moi, Seigneur, jour et nuit, dans le nom de Jésus. Papa, ne me laisse pas, oh Dieu. Papa, lève-toi. Combat pour mes enfants, Seigneur, qui sont combattus nuit et jour, dans le nom de Jésus. Papa, lève-toi, éternel Dieu. Combat pour mon ménage, pour mon foyer qui est combattu nuit et jour par les ténèbres, par les femmes de nuit, les maris de nuit, dans le nom de Jésus. Papa, lève-toi, Seigneur. Combat jour et nuit pour mes affaires que l'ennemi veut détruire, dans le nom de Jésus. Papa, lève-toi, Seigneur. Combat pour mes enfants que l'ennemi veut humilier dans la vie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Papa, lève-toi, oh Père. Combat pour ma famille que la coutume veut détruire dans le nom de Jésus-Christ. Papa, lève-toi, Seigneur. Combat pour mon couple, cette stérilité dans ma vie que l'ennemi veut utiliser pour me détruire au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon Père, si ma gloire a été altérée, endommagée ou nauséabonde dans la prison où elle a été gardée, oh Dieu, lève-toi et restaure mon original au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon Père, si ma gloire a été altérée, endommagée ou nauséabonde dans la prison où elle a été gardée, oh Dieu, lève-toi et restaure mon original au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Oh Dieu, mon Père, lève-toi. Restaure mon original éternel comme toi, tu m'avais créé. Quand tu m'avais créé, tu avais dit tout était bon, Seigneur. Papa, lève-toi. Restaure ma gloire qui était altérée. Ma gloire qui est gâtée, oh Seigneur. Cette gloire qui sent mauvais, Père éternel. Là où elle était gardée, dès la prison, Père. Papa, restaure. Restaure cette gloire. Laisse qu'elle sente bon. Laisse que ma gloire brille. La gloire de mon ménage brille. La gloire des études de mes enfants puisse briller. La gloire de mes affaires puisse briller. La gloire de mon mari, de son travail, de ma femme, de ma famille puisse briller dans le nom de Jésus. Restaure notre gloire originale dans le nom de Jésus. Que l'ennemi a détruit, endommagé, Seigneur, cette gloire qui sent mauvais, cette gloire qui sent la malédiction. Oh Père, lève-toi, restaure au niveau original, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bataille assignée à me maintenir dans un état de détresse. Mourez au nom de Jésus-Christ. Amen. Bataille assignée à me maintenir dans un état de détresse. Mourez au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ, laisse que toute bataille, tout combat envoyé pour me maintenir dans un état de détresse, de malheur, de chagrin. Mourez au nom de Jésus. Toute maladie assignée à me maintenir dans un état de la pauvreté. Mourez au nom de Jésus. Toute bataille assignée à me maintenir dans mon ménage, dans un état de chagrin. Ah, Père, laisse qu'il meure maintenant dans le nom de Jésus. Oh oui, cet échec envoyé pour maintenir mes enfants dans un état de détresse, oh, de doute dans la vie. Mourez au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, cette bataille dans mes affaires envoyée pour me maintenir dans un état de faillite. Mourez au nom de Jésus. Ce chômage assigné à me maintenir dans un état de la pauvreté chronique, mourez au nom de Jésus-Christ. Amen. Par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, je refuse de donner du carburant à mes batailles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, je refuse de donner du carburant à mes batailles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ et par ma propre volonté et avec l'aide du Saint-Esprit, je refuse de donner du carburant à l'ennemi pour me combattre dans le nom de Jésus. Ah oui, toi colère, toi haine, sors de ma vie, tu ne seras pas le carburant pour mes batailles dans le nom de Jésus. Toi jalousie, vol, impudicité, sors par la puissance de le sang de Jésus. Je refuse de te donner, de vous donner comme du carburant à tout combat dans ma vie dans le nom de Jésus. Oh oui, toi échec, toi tétitesse, dans la vie de mes enfants, je refuse de te donner comme carburant à tout combat dans leur vie, dans le nom de Jésus. Oh oui, dispute dans mon couple, je refuse de donner comme carburant à toutes mes batailles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvoir se servant de mes problèmes pour composer une chanson contre moi, épée de Dieu, détruis-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvoir servant de mes problèmes pour composer une chanson contre moi, épée de Dieu, détruis-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ, je lève l'épée flamboyante d'Éden pour détruire tout pouvoir, tout esprit, tout épée. Personnalité qui se servent de mes problèmes pour composer une chanson contre moi, dans le nom de Jésus. Oh oui, cette personne qui se sert de la maladie dans ma vie pour composer une chanson, pour parler contre moi, papa, laisse que ton épée le coupe, le détruise, dans le nom de Jésus. Cette personne qui se sert de disputes dans mon couple pour composer une chanson contre moi, oh Père, laisse que ton épée de Dieu le coupe maintenant, dans le nom
nom de Jésus. Ce pouvoir qui se servent de la têtuesse de mes enfants pour composer une chanson contre eux, pour parler du mal contre eux, et paix de Dieu, détruis-les dans le nom de Jésus. Qui que ce soit, celui qui se servent de mes problèmes, de mes combats, de la maladie dans ma vie, dans cette pauvreté dans ma famille, de ce célibat pour composer une chanson. Oh, papa, est-ce que ton épée le détruise au nom de Jésus-Christ? Amen. Pouvoir assigné à transformer la source de ma joie en poussière et sauver le jugement de la mort au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvoir assigné à transformer la source de ma joie en poussière et c'est vers le jugement de la mort, au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, je libère le jugement de la mort sur tout pouvoir, tout esprit, toute personnalité, envoyé à transformer la source de ma joie, à changer la base de ma joie en poussière, en rien. Recevez ce jugement de la mort dans le nom de Jésus. Qui que ça soit, celui que l'ennemi a envoyé pour changer la source de ma joie en poussière, oh, dans mon couple, dans la vie de mes enfants, oh Père, dans mes affaires, dans la vie de mon mari, ma femme, dans ma famille, laisse qu'ils reçoivent le jugement de la mort au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, lève-toi. Éprouve à mes ennemis que mes problèmes peuvent prendre fin au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, lève-toi. Éprouve à mes ennemis que mes problèmes peuvent prendre fin au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, lève-toi, le Dieu de toutes tes possibilités. Papa, prouve à mes ennemis que mes problèmes, cette maladie peut être guérie dans le nom de Jésus. Papa, lève-toi, Seigneur. Prouve à tous mes ennemis que ce célibat peut être guéri dans le nom de Jésus. Yahweh, lève-toi, éternel, oh Dieu. Prouve à mes ennemis que ce chômage peut prendre fin dans le nom de Jésus. Papa, lève-toi, éternel, oh Dieu. Prouve à mes ennemis que cette faillite peut prendre fin dans ma vie dans le nom de Jésus. Papa, lève-toi et prouve à mes ennemis que les échecs dans leur vie peuvent prendre fin dans le nom de Jésus. Papa, lève-toi, oh Dieu, prouve à mes ennemis que les disputes dans mon couple, dans mon foyer peuvent prendre fin dans le nom de Jésus. Lève-toi, oh Dieu. Papa, montre à mes ennemis que tu es notre Dieu, que tout combat dans ma famille, oh Père, peuvent prendre fin au nom de Jésus-Christ. Amen. Assis de Dieu, descends sur le corps de tous mes ennemis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Assis de Dieu, descends sur le corps de tous mes ennemis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, je libère l'acide de Dieu sur tout le corps de tous mes ennemis dans le nom de Jésus. Ah oui, je libère l'acide de Dieu sur ce virus dans mon corps, ces bactéries dans mon corps dans le nom de Jésus. L'acide de Dieu sur toutes les condamnations qui sévit dans ma vie, oh Père, dans le nom de Jésus. Je libère l'acide de Dieu sur tout esprit de mari, de nuit, de femme et de nuit, des enfants de nuit qui manipule ma vie, dans le nom de Jésus. Je libère l'acide de Dieu sur tout faux jumeau, oh oui, qui contrôle ma vie, qui manipule ma vie, dans le nom de Jésus. Je libère l'acide de Dieu sur tout faillite dans ma vie, oh Père, ce blocage dans ma famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout pouvoir me sifflant à cause de mes problèmes, oh Dieu, lève-toi, frustre-les, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout pouvoir me sifflant à cause de mes problèmes, oh Dieu, lève-toi, et frustre-les, au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, lève-toi, oh Dieu, dans toute ta colère, frustre-les.
Humilie tout pouvoir, tout esprit, toutes tes personnalités qui est en train de me siffler, se moquer de moi à cause de cette maladie dans ma vie. Oh Dieu, lève-toi, frustrez-les dans le nom de Jésus. Ces pouvoirs, ces personnalités qui est en train de siffler, mes frères et sœurs, oh, à cause du célibat qui sévit dans la famille. Oh Dieu, lève-toi. Papa, frustrez-les dans le nom de Jésus. Papa, lève-toi, oh Dieu. Frustre tout pouvoir qui est en train de siffler ma vie, oh Dieu. À cause de cette stérilité, Seigneur, qui est ancrée en moi. Papa, lève-toi, frustrez-les maintenant dans le nom de Jésus. Frustre, Seigneur, tout pouvoir qui est en train de siffler ma vie à cause d'un combat. Oh Père, siffle-les, frustre-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout problème qui partage une partie de ma destinée, perds ton emprise sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout problème qui partage une partie de ma destinée, perds ton emprise sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout problème qui partage une partie de ma destinée, perdez ton emprise dans le nom de Jésus. Toi, la maladie, tu partages une partie de ma destinée. Lâche ton emprise sur ma vie, sur mon corps, dans le nom de Jésus. Cette pauvreté ténace qui partage une partie de ma destinée. Allez, lâcher ton emprise sur ma vie dans le nom de Jésus. Ces échecs répétitifs qui partagent une partie de la destinée de mes enfants, de ma famille, perds ton emprise sur ma vie, sur leur vie dans le nom de Jésus. Oh oui, ce chômage qui partage une partie de la destinée de mon mari, de ma femme, de mes frères et sœurs, de mes enfants. Perdez votre emprise au nom de Jésus-Christ. Amen. Bataille qui m'ont donné un nom de pitié, prenez fin maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bataille qui m'ont donné un nom de pitié, prenez fin maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toutes les batailles qui m'ont donné un nom de pitié de prendre fin maintenant dans le nom de Jésus. Et toi, la maladie qui m'a donné un nom de pitié, quand les gens me voient disent, hey, c'est triste, hein? Pitié pour elle, hein? Pitié pour lui, prenez fin maintenant dans le nom de Jésus. C'était pauvreté qui m'a donné changer le nom. Oh oui, de pitié, prenez fin dans le nom de Jésus. Oh oui, ces disputes dans le couple qui m'ont donné un prénom de pitié. Allez, prenez fin dans le nom de Jésus. Oh oui, c'est ces échecs répétitifs dans la vie de mes enfants qu'on a changé leur nom en leur donnant le nom de pitié. Prenez fin maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute voix étrange me disant que rien ne se fera dans ma situation, tais-toi par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute voix étrange me disant que rien ne se fera dans ma situation, tais-toi par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens faire taire toutes voix étranges qui disent que rien ne se fera dans ma situation. Qui es-tu? Es-tu mon Dieu? Mourez par le feu, au nom de Jésus. Toutes tes voix maléfiques étranges, toutes tes voix ointes par les ténèbres, qui disent que rien ne se fera dans ma situation, dans cette maladie, dans les troubles, dans mon foyer, oh oui, dans la situation de la pauvreté, cette limitation, oh Dieu, laisse qu'il s'éteigne. À jamais, maintenant, dans le nom de Jésus. Oh oui, toutes voix maléfiques étranges qui disent que rien ne se fera dans la situation de mes enfants, dans leurs échecs scolaires, dans leurs échecs maritales. Allez, tais-toi maintenant par le feu, dans le nom de Jésus. Toutes voix étranges qui me disent que rien ne se fera dans mes affaires. Oh Dieu, rien n'est bon ne sortira dans mes affaires. Tais-toi par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mouchoir des esclavages dissimulé dans ma gloire, sors et sois consumé par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mouchoir de l'esclavage dissimulé dans ma gloire, sors et sois consumé par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Par le
autorité dans le nom de Jésus-Christ. Je libère le feu dévorant, consumé. Tout mouchoir de l'esclavage, toutes voiles de l'esclavage qui cachent ma gloire, qui est caché dans ma gloire. Allez consumer par le feu dans le nom de Jésus. Cette couverture de l'esclavage, du ténèbre, qui est cachée dans ma gloire. Oh, sortez, sortez, sortez. Et soyez consumés maintenant dans le nom de Jésus. Tout mouchoir, tout pagne de l'esclavage qui est caché dans la gloire de mes enfants. Oh oui, sortez, sortez maintenant et soyez consumés par le feu dans le nom de Jésus. Je libère le feu dévorant dans ma gloire pour consumer, faire sortir tout mouchoir de l'esclavage caché au-dedans d'elle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Toute onction négative des problèmes sataniques sur ma gloire, retourne par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute onction négative des prophètes sataniques sur ma gloire, retourne par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, je retourne à l'expéditeur. Toute onction négative des prophéties sataniques sur ma vie, sur ma gloire, allez retourner par le feu dans le nom de Jésus. Oh oui, toute onction négative, maléfique des prophètes sataniques sur ma santé, retournez, retournez, retournez par le feu dans le nom de Jésus. Cette onction négative, maléfique des prophètes diaboliques sur la gloire de ma famille, la gloire de mes enfants, retournez par le feu dans le nom de Jésus. Cette onction maléfique et négative des prophètes ouints par les ténèbres sur la gloire de mon foyer, de mon mari, de mes frères et sœurs, retourne par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout emballage envoûté donné à ma mère et qui tourmente ma gloire présentement, soit consumé par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout emballage envoûté donné à ma mère et qui tourmente ma gloire présentement, soit consumé par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, je libère le feu dévorant sur tout emballage envoûté, tout cadeau envoûté que ma mère a reçu et qui est en train de tourmenter ma vie maintenant. Dans le nom de Jésus, feu de Dieu, consume, papa, tout cadeau empoisonné qui a été remis à mes parents, à ma mère et qui nous tourmente maintenant. Dans le nom de Jésus, le feu, détruit tout cadeau envoûté que je puis recevoir consciemment ou inconsciemment et qui est en train de tourmenter la gloire de mes enfants, la gloire de mon foyer, oh Père, laisse qu'il soit consumé maintenant dans le nom de Jésus. Tout cadeau envoûté, donné par qui que ce soit, qui est en train de tourmenter la gloire de ma famille, de mes affaires, laisse que ton feu, Seigneur, les consume au nom de Jésus-Christ. Amen. Parole étrange du méchant, faisant la promotion et la captivité dans ma vie, retourne par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Parole étrange du méchant, faisant la promotion de la captivité dans ma vie, retourne par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, c'est par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Ah, je retourne par le feu. Toutes les paroles étranges du méchant. Oh oui, paroles ouentes par les ténèbres qui fait la promotion de la captivité, qui est en train d'élever la captivité dans ma vie. Retournez, retournez par le feu dans le nom de Jésus. Cette parole de ténèbres, parole de la malédiction qui est en train d'élever la pauvreté dans ma vie. Oh oui, Seigneur, laisse qu'il retourne, retourne par le feu dans le nom de Jésus. Cette parole étrange, papa, ouente par les ténèbres qui fait la promotion de l'échec dans la vie de mes enfants, de la tétitesse, du vagabondage dans la vie de mes enfants. Oh Père, laisse qu'ils retournent par le feu dans le nom de Jésus. Oh oui, toutes les paroles du méchant, des paroles étranges qui fait la promotion du malheur dans ma famille, retournez par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvoirs qui sont en colère contre ma vie, détruisez-vous vous-même au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvoirs qui sont en colère contre ma vie, détruisez-vous vous-même au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, qui a
confusion. Quels sont ces pouvoirs, ces personnalités, ces agents du ténèbre qui sont en colère contre ma vie, qui sont jaloux de ma vie, jaloux de mes enfants, jaloux de mon foyer, jaloux de mes affaires. Allez, détruisez-vous-même maintenant dans le nom de Jésus. Tout pouvoir, tout esprit, toutes tes personnalités en colère qui a de la haine contre ma vie, contre mes enfants. Ah oui, détruisez-vous-même au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvoir des ténèbres, se servant d'une marmite noire pour contrôler ma vie. Brûlez avec votre marmite au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvoir des ténèbres, se servant d'une marmite noire pour contrôler ma vie. Brûlez avec votre marmite au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque tout pouvoir des ténèbres qui se servent d'une marmite noire, oh oui Seigneur, pour contrôler ma vie, brûler par le feu, dans le nom de Jésus. Ce pouvoir des ténèbres qui se servent d'une marmite noire, comme télécommande, pour contrôler ma vie, pour manipuler, guider ma vie, oh oui, brûler avec vos matrices, dans le nom de Jésus. Ce pouvoir des ténèbres qui se servent d'une marmite maléfique noire, pour contrôler la vie de mes enfants, de mes affaires, de mon ménage. Brûlez avec votre marmite dans le nom de Jésus. Ce pouvoir des ténèbres qui se servent d'une marmite noire pour contrôler ma maison, ma vie spirituelle, mes relations. Soyez consumés avec votre marmite au nom de Jésus-Christ. Amen. Chose étrange, enterré dans la terre à cause de moi. Engloutissez vos ennemis, mes ennemis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chose étrange, enterré dans la terre à cause de moi. Engloutissez mes ennemis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, laisse que toutes choses qui a été enterrées dans la terre à cause de moi. Allez, laisse que la terre s'ouvre et engloutisse mes ennemis dans le nom de Jésus. Ô terre, ô terre, ô terre, écoute la parole de l'Éternel. Ouvre-toi, engloutis tous mes ennemis, oh oui, dans le nom de Jésus. Oh oui, tout ennemi qui avait enterré des choses étranges dans ma vie, oh oui Seigneur, dans ma maison, papa, dans ma parcelle, oh Dieu. Laisse que la terre s'ouvre et les engloutisse dans le nom de Jésus. Oh, toutes choses étranges qui a été enterrée dans la terre à cause de mes enfants, à cause de mon travail, de mes affaires, engloutissez mes ennemis dans le nom de Jésus. Toutes choses étranges enterrées dans mon ménage, oh oui, papa, engloutissez mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Tout argent étrange que j'ai dépensé et qui m'a ouvert la porte de la pauvreté, sang de Jésus, annule-les maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tout argent étrange que j'ai dépensé et qui m'a ouvert la porte de la pauvreté, sang de Jésus, annule-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Avec la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ, je viens annuler tout argent étrange, tout argent satanique que j'ai dépensé et qui a ouvert la porte de la pauvreté dans le nom de Jésus. Je vais annuler avec le sang de Jésus tout argent, tout cadeau étrange que j'ai dépensé, que j'ai reçu et qui m'a ouvert la porte de la pauvreté dans le nom de Jésus. Ce cadeau étrange que j'ai reçu qui a ouvert la porte de la maladie dans ma vie, sang de Jésus, annule-les dans le nom de Jésus. Oh oui, cet habit étrange que j'ai reçu comme cadeau et qui m'a ouvert la porte de la limitation des maris de nuit dans ma vie, sang de Jésus, annule-les maintenant dans le nom de Jésus. Tout argent étrange que j'ai dépensé pour ma famille, oh oui, qui a ouvert la porte à la limitation, à la pauvreté, sang de Jésus, annule-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Fais du Saint-Esprit, assèche l'onction du prophète démoniaque qui est sur ma tête au nom de Jésus-Christ. Amen. Fais du Saint-Esprit, assèche
l'onction du prophète démoniaque qui est sur ma tête, au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus, je libère le feu de Dieu sur ma tête. Lorsqu'elle sèche, toute onction des prophètes démoniaques qui a été posée dans le nom de Jésus. Le feu dévorant consume l'onction du prophète démoniaque qui a été posée sur ma tête. Maintenant, au nom de Jésus, feu de Dieu sèche cette huile maléfique, l'huile de la pauvreté, de la maladie, oh, qui a été déposé par des prophètes démoniaques dans le nom de Jésus sur la vie de mes enfants, mon mari, ma femme. Ô feu de Dieu, sèche, consume toute onction maléfique des prophètes démoniaques sur nos têtes au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi, cette rivière étrange dans mon village, détenant la plus grande partie de ma gloire, libère-la et tarie par le feu. Amen. Toi, cette rivière étrange dans mon village, détenant la plus grande partie de ma gloire, libère-la et tarie par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, je libère le feu. Qu'est-ce que le feu dévora, sèche toute rivière étrange dans mon village, qui détient, qui garde la plus grande partie de ma gloire, de ma richesse. Dans le nom de Jésus, je t'ordonne de la libérer. Libère ma gloire et sèche dans le nom de Jésus. Toute rivière étrange qui détient la plus grande partie de la gloire de mes enfants, de mon mari, de mes affaires, de mon travail. Libérez-la maintenant et séchez maintenant dans le nom de Jésus. Cette rivière maléfique étrange dans mon village, dans mon environnement, qui détient ma plus grande partie de ma richesse. Allez, libère-la et sèche par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute balle étrange du méchant, fabriquée par des pouvoirs ancestraux, soit consumée par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute balle étrange du méchant, fabriquée par des pouvoirs ancestraux, soit consumée par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, je libère le feu de Dieu sur toute balle étrange du méchant, fabriquée par les pouvoirs ancestraux, soit détruite dans ma vie. Cette balle étrange du méchant, fabriquée pour moi par des pouvoirs ancestraux, soit asséchée, consumée par le feu, dans le nom de Jésus. Cette maladie étrange du méchant, fabriquée par des pouvoirs ancestraux pour ma vie, pour ma santé, soit consumée par le feu, au nom de Jésus. Cette pauvreté étrange du méchant, fabriquée, confectionnée sous mesure par le pouvoir méchant, sous ma vie, sous mon travail, soit consumée par le feu, au nom de Jésus. La dispute étrange du méchant, ah oui, consumée par le pouvoir des méchants, sur mon foyer, ah, soit consumée par le feu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, merci. Parce que toutes les balles étranges du méchant qui étaient confectionnées pour nous par des pouvoirs ancestraux a été consumée par le feu dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, puisque toute parole étrange du méchant qui faisait la promotion de la captivité dans nos vies est retournée à l'expéditeur par le feu dans le nom de Jésus. Merci, puisque toutes les choses étranges qui étaient enterrées dans la terre à cause de nous Seigneur, la terre s'est ouverte et les a englouties tous dans le nom de Jésus. Oh oui, cette bataille maléfique qui attire des gens étranges dans nos vies, Seigneur. Cette bataille est expirée maintenant dans le nom de Jésus. Oui, papa, ce pouvoir assigné a changé la source de notre joie en poussière. Papa, ils ont reçu le jugement de la mort et ils sont morts dans le nom de Jésus. Oh Dieu, papa, merci pour te lever, Seigneur, et tu prouves que à nos ennemis que
tu es notre Dieu et que nos problèmes ont pris fin dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous venons cacher nos victoires dans le sang de Jésus et les barricader avec les haies de feu dans le nom de Jésus. Merci pour l'assistance angélique qui est à l'œuvre. Merci pour le Saint-Esprit qui a oint nos bouches. Sois célébré, sois magnifié dans le nom de Jésus. Tout pouvoir, tout esprit, toutes les personnalités en colère qui s'élèveraient pour bloquer ou soit tout pour disputer notre délivrance, la réponse à nos prières. Seigneur, laisse que la terre s'ouvre et les engloutisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y aura ni regroupement, ni renforcement de l'ennemi contre nos prières au nom de Jésus-Christ. Amen.